Les gars, les chercheurs de Valentin et Valentine sont dehors. C'est chaud. Ha! C'est dit que c'est chaud. Les gars, Waka se marre avec les pancartes. Ha! Je dis, donc il y a une semaine, mon téléphone a commencé à sonner. Valentine, 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 je m'appelle Estelle, pas Valentine. Comment es-tu devenue Valentine? Tu es ma Valentine, tu es ma Valentine. Non. Je suis ta Estelle si tu veux, pas ta Valentine. Je ne comprends pas pourquoi on prend un seul jour dans l'année pour faire un grand buzz au monde de l'amour. Je pense qu'il y a 365 jours dans l'année. 365 jours pour prouver qu'on aime et savoir qu'on est aimé. Ok. Il y a un jour en particulier où on célèbre cet amour. Cool. J'ai rien contre ça. La Saint-Valentin n'est pas que pour petits copains, petites copines. Mon ex, ma Valentine que j'ai achetée en ligne. Non. Saint-Valentin, c'est pour toutes les personnes que tu aimes, ceux qui sont autour de toi, ceux qui sont avec toi, ceux à qui tu penses, ceux qui tu penses à toi. C'est ça la Saint-Valentin. C'est exprimer ton amour d'une façon particulière ce jour-là. C'est pourquoi il y a Saint-Valentin. Il y a des gens qui ne se réveillent pas tous les matins et te disent je t'aime, petite soeur, je t'aime, cousin, je t'aime, chérie, je t'aime. Non. Mais ce jour-là, particulièrement, ils se sentent à l'aise d'exprimer ce qu'il ressent. C'est-à-dire, je t'aime, je suis heureux, heureuse que tu sois dans ma vie, je remercie le ciel parce que tu es là, blablabla, blablabla. Vous savez comment le tratra se passe. Mais là, nous femmes là, nous là, nous les femmes là, on a pris Saint-Valentin. C'est devenu une histoire de marché. C'est devenu un business. Hey! C'est le jour-là que toutes les choses que tu te manquais sur ta liste que tu voulais ajouter dans ta maison, tu vas avoir ça. Le titulaire va apporter le canapé. L'homougou 1 va apporter les chaussures. L'homougou 2 va payer le câble. L'homougou 2, l'homougou 3 va t'acheter. Non, ma chérie, c'est pas comme ça. Et qui est? Et qui est, maman? La Saint-Valentin ne veut pas dire. On n'a pas besoin d'acheter un cadeau pour te prouver qu'on t'aime. Non, on n'a pas besoin de t'acheter un cadeau pour te prouver que. Longtemps. C'est bien beau d'avoir un cadeau. Hein. Je ne dis pas que si aujourd'hui mon frère ou mon oncle ou mon gars ou qui que ce soit m'offre un cadeau, je vais dire que je veux pas un cadeau. Non, je veux cadeau, je vais prendre cadeau. Mais je suis en train de dire que j'ai cadeau ou pas, je sais que ces personnes m'aiment. Je sais qu'ils sont là. Je sais qu'en cas de besoin, ce sont les personnes que je peux appeler, ils vont venir. La Saint-Valentin, pour moi, est une façon de recadrer, réassurer, me rappeler, réitérer exactement comment je sens, la façon que je me ressens, la façon que je me ressens, ce que je ressens à propos des gens qui sont autour de moi. C'est-à-dire, si je ne te dis pas tous les jours que je t'aime, mais bon, on a créé l'occasion pour le dire. Écoute, alors, je saisis l'occasion aujourd'hui à Saint-Valentin pour te dire que je t'aime. Je dis à Saint-Valentin pour te dire que tu es précieux à ma vie. Certains hommes ne savent pas exprimer leur amour simplement, surtout envers leur famille. C'est bien beau de dire à ta meuf, ma chérie, je t'aime, machin. Mais ils ne savent pas, d'autres ne se laissent pas exprimer ce sentiment-là à leur famille. Donc, le jour de la Saint-Valentin, c'est ok pour eux de dire que maman, je t'aime, frère, je t'aime, cousine, je t'aime, cousin, je t'aime. Mais encore, nous femmes là, hein, on ne veut pas qu'ils dépensent son argent chez sa mère, sa soeur, sa cousine. Ouais, ce sont les gens qui l'ont soutenu quand il était petit, qui l'ont élevé jusqu'à être devenu gaillard quand tu l'as trouvé dans la rue. À toi, mon frère, pas parce que tu as 5 francs dans ta poche que tu dois te dire que tu peux acheter une femme. Si tu aimes une femme, ton devoir est de lui montrer tous les jours que tu l'aimes. Et je ne dis pas que tous les jours tu dois rentrer là chez toi avec un bouquet de fleurs ou non. C'est en lui montrant tous les jours que tu es là pour elle, la rassurant, lui rappeler, écouter quand elle a une histoire à te raconter, la faire rire quand elle est triste, ne pas pousser quand elle ne veut pas qu'on pousse. Écouter que j'ai besoin de ceci et lui donner ce dont on a besoin.
C'est ça, aimer une femme. C'est ça, démontrer qu'on aime. Bon, aimer, c'est pas toujours parler. Hein. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est bien. Moi aussi, je t'aime. On boit ça. L'amour se montre. C'est un sentiment qui est en même temps une action. Donc, à toi, mon frère, si tu as 5 francs depuis le jour de la Saint-Valentin, fais quelque chose d'extra. Juste pour lui faire plaisir, juste pour lui montrer que tu aimes. Et chaque homme qui montre à une femme qu'il aime, en ce jour particulier de la Saint-Valentin, a droit à recevoir un merci particulier. Je ne dis pas merci que tu vas écrire sur le papier, tu lui donnes, ou tu vas monter sur le toit le chevaux, tu cries non. Un merci particulier. Tu connais ton type, déjà ton frère, ton père, toi, tu sais ce qui peut lui faire plaisir, qui sait faire bouger son cœur. S'il t'offre une chaussure, et tu sais que papa, cousin, mon gars, qui que ce soit, si je prépare le riz avec les crevettes, c'est que je lui ai montré que je l'aime, ma chérie, prépare le riz avec crevettes. Si pour lui, c'est l'embrasser, le serrer fort dans tes bras et dire une blague, embrasse-le, ne fais pas palabre. Les hommes déjà ne savent même pas quoi nous offrir à nous les femmes. On veut ceci, on veut cela, on ne veut pas ceci, on ne veut pas ceci, on ne veut ceci, on veut ceci. On est tellement compliqué. Et ces gens, ces hommes-là nous donnent tellement les signes que si tu prêtes attention, tu peux piquer très rapidement. Donc, Saint-Valentin, c'est une occasion pour montrer, réitérer particulièrement et célébrer l'amour que tu as pour tes proches, pour tes amoureux, pour tes amoureuses. Pour vous qui en avez plus d'une et plus d'un, c'est juste la fête de l'amour. Célébrez-le sans scandale, sans crier aux gars, sans appeler les... Non, je t'aime, c'est entre toi et moi. Tu n'as pas besoin de faire un spectacle pour la population. C'est toi et elle, toi et lui, toi et eux. C'est toi, la famille, qui que ce soit. En tant qu'enfant, on est tellement occupé à grandir qu'on oublie que nos parents sont en train de vieillir. N'oubliez pas de leur rappeler ce jour-là que vous les aimez tendrement et chèrement. À vous, mes chéris, je vous souhaite bonne fête de Saint-Valentin. Même comme vous ne m'avez pas donné les cadeaux de Saint-Valentin, Dieu vous voit. Il n'y a pas de problème. Dieu vous voit. Bonne Saint-Valentin à vous. Et racontez-moi vos fêtes de Saint-Valentin. Inboxez-moi sur Facebook. Abonnez-vous sur ma page YouTube et laissez-moi des commentaires sur comment s'est passé votre Saint-Valentin. Ça peut m'inspirer encore pour dire des choses à propos de Saint-Valentin déjà. On ne sait jamais. Donc, bonne Saint-Valentin à vous. Plein de bisous. Soyez sages. On ne veut pas les enfants précoces à cause de Saint-Valentin. Peace, guys.